Eh bien, salut tout le monde, c'est Bleach et on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo découverte de Medal of Honor Warfighter. J'espère que vous allez tous très très bien. Moi ça va plutôt bien et donc, vidéo découverte, dit découverte, de ce nouveau jeu qui est tout simplement magique, magnifique, on peut le dire, voilà. Alors dans cette partie, et essentiellement cette soirée, j'ai joué avec Joker. On a fait une petite escouade tous les deux, vous allez le voir, de toute façon, on va rapidement le voir. On se retrouve dans la map Bastion Somalien, qui est une map bon, un peu comme toutes les autres. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même différentes choses variées, mais c'est une jolie map. Alors là, vous voyez 6 classes, donc c'est les 6 choix de classes qu'on peut avoir. Alors, c'est assez compliqué, je vous ferai peut-être une vidéo un petit peu plus détaillée plus tard. Alors, nous avons la classe tout à gauche Sniper, la classe Assaillant, la classe démolition, donc utilise des armes lourdes, enfin la classe mitrailleur, vous allez le revoir de toute façon. Et moi, il y a une classe entre temps, c'est homme de poing, un truc comme ça. Et moi, je prends, c'est la classe force spéciale, voilà. Donc là, j'ai une MK18, c'est ça, hein, si je me rappelle bien. C'est une espèce de M4 en fait, tout simplement. C'est une des meilleures armes qu'on a dès le départ. Donc là, je dois être level 7 ou 8. J'ai fait une partie pas trop mal, j'ai fait du 18 pour 14, un truc comme ça. Enfin, c'est pas une partie trop mauvaise pour une première partie. D'ailleurs, j'ai fait une jolie double. Et donc, on remarque quand même les graphismes de notre bon vieux Frostbite 2 ou notre bon vieux Battlefield 3, je sais pas à quoi vous voulez le comparer. Pas énormément d'armes, j'ai trouvé. Bon, pour le moment, on en a pas beaucoup, c'est vrai. J'ai pu tester les MP7, un bousin pur. Hein, alors, un bousin pur. Vous avez vu aussi que je viens de débloquer en haut à gauche 2 killstreaks. Alors, les killstreaks, c'est là, vous allez les voir d'ailleurs dans cette partie. Je vais faire du 8-0 hein, départ. Les killstreaks, c'est un petit peu différent de nos killstreaks sur Call of Duty. Nous avons deux fois de killstreaks à chaque fois qu'on fait ces 3 et 6 morts, je crois. Peut-être plus après, je sais pas, je suis jusqu'à 8, peut-être qu'à 9, on a des killstreaks aussi. C'est différent suivant les classes. Alors, avec cette classe, au bout de 3, j'ai un truc de fumée là, une espèce de fumigène et un brouilleur de radar. Et là, avec T-Frag, j'ai le Dragon Fire que je vais utiliser et la réapparition des squads. Alors, Dragon Fire, c'est je sais pas, c'est un espèce de missile, voilà, que je vais lancer dans quelques secondes. Et puis voilà, ça reste un très joli jeu. Au niveau du gameplay, c'est fluide, c'est léger. Alors là, c'est le mode de jeu, je crois que c'est zone de tension, si je me rappelle bien. C'est un mode de jeu où on n'a pas d'ATH en fait. Donc on sait pas quand on tue les gars, on sait pas combien de balles on a encore. C'est un petit peu chiant, c'est vrai. Mais bon, ça reste rigolo. Et voilà, vous voyez quand même que c'est une map assez fermée, un petit peu à la Call of. Et ça fait vraiment Call of. Donc là, je viens de me faire soigner par Joker. Alors oui, le système des squads est très sympa. Franchement, moi j'ai bien kiffé. On peut se réanimer et reprendre nos balles que entre notre escouade, entre notre petite escouade de deux. Ça c'est un mode un petit peu comme la démolition hein, aussi. Je voulais pas dire. C'est de la démolition, vous voyez, voilà, et on a 5 points, et dès qu'on en a perdu plus de la moitié ou qu'on en a gagné plus de la moitié, on a gagné ou perdu bien sûr. Voilà, tout simplement. Vous avez vu, là j'ai fait 9 frags. Donc j'ai le Warthog ou le drone comme je viens d'appeler, voilà. Alors, je suis allé le récupérer aujourd'hui ce jeu. Nous sommes mercredi. Alors là je vais bien me faire niquer, voilà. Nous sommes mercredi. Micromania m'a envoyé un message comme quoi je pouvais venir le chercher demain, mais j'ai eu un petit peu l'audace d'aller chercher aujourd'hui et puis ils m'ont pas refusé, au contraire. Et j'ai pu vous tester ça dans la journée. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo découverte rapidement avant que, bien sûr, tous les autres gros youtubeurs
la sorte. Enfin bon, voilà, vous savez, vous connaissez le topo. Bon, je la sors pour vous, ça me fait plaisir. Je sais que vous allez sûrement aller regarder chez les autres grands youtubeurs, mais je tenais quand même à vous le faire. Alors là, j'ai récupéré une style DM4 avec un viseur holographique laser un petit peu et un silencieux avec une lampe que je n'utiliserai pas. Et aussi, vous allez voir après le système de modification. C'est un système un petit peu différent des autres systèmes, si c'est vrai. Mais c'est sympa. C'est sympa. Vous allez le voir très rapidement de toute façon. Aussi, la petite chose qu'on a comme dans Battlefield, c'est qu'on peut changer notre mode de tir. Avec flèche du bas hein, sur PS3, parce que là je joue sur PS3. Donc on a aussi accès au Battlelog, hein, comme vous le savez, je pense. Ah là, voilà. Vous voyez, on a un menu, mon arme, alors vous voyez un petit peu la gueule du menu. C'est un menu un petit peu bizarre, hein. Moi je peux vous l'assurer. Au départ j'ai été un petit peu surpris. Et là on peut choisir, personnaliser notre arme en pleine partie. Et la changer, avec l'onglet mon soldat, on peut changer notre arme. Et voilà, on peut la personnaliser à notre sauce. Bon, j'ai pas débloqué grand chose, là je devais être level 6 ou 7. Je suis actuellement niveau... Bon, allez, je vous dirai niveau 10. Et on peut changer les chargeurs, le receveur. Alors le receveur, c'est la crosse. Puis on peut changer tout, on peut changer la bouche pour avoir un silencieux, un cache-flamme ou alors rien du tout. On peut mettre un lance-grenade, on peut mettre même une caméra, je sais pas trop à quoi ça sert. Enfin voilà, on peut mettre plein de choses et on a quand même des disponibles, enfin plein de choix. Alors si vous voulez la liste des armes complètes et que vous voulez découvrir, je vous ferai peut-être une petite screenshot où je vous filmerai leur dit voilà, là de ce que je peux voir, on a l'HK MP7, la M249, MG4, G36C, AK-103, F88, M4V1, AK-103 Bullpup, AA-12, M240, PKM, G3, la rue OBR, enfin on a quelques armes assez sympas, on peut le dire, AK-103 avec une vilinette, voilà. On a quelques snipers, le BR, le Macmillan CS5. Enfin bon, voilà, on a quand même des possibilités assez, assez énormes, assez grosses. Et vraiment, le jeu en escouade fait un petit peu la particularité de ce nouveau Medal of Honor. Et je pense que la série des Medal of Honor elle-même n'a pas marché, on peut le dire. Enfin, le dernier, non, la série, attendez, je me reprends. La série des Medal of Honor a toujours été très bonne jusqu'à que Call of Duty apparaisse et prenne le dessus, on va dire ça comme ça. Mais néanmoins, cet opus, à mon avis, va changer un peu la vision des gens et les choses, parce qu'ils ont vraiment voulu envoyer du lourd avec le Frostbite 2. Niveau gameplay, bon, c'est vrai que si vous avez joué à Battlefield 3, vous allez vraiment, mais vraiment pas être dépaysé du tout au niveau de tous les mouvements, déjà, tous les mouvements, toute la gestuelle, autant recharger que tirer, que machin, tout ça c'est tout pareil, à peu près les mêmes accessoires, c'est une très grosse ressemblance, mais au niveau du gameplay, de la légèreté, tout ça, il y a un petit plus, il y a un petit plus, franchement il y a un petit plus. Je ne saurais pas vous dire quoi, mais il y a quand même un petit plus qui a son charme et qui fait que ce Medal of Honor est différent des autres FPS, comme Call of Duty, puis Medal of Honor, enfin avec Battlefield, hein, on va rester sur ces deux-là. Enfin bon, on va passer sur ça. Donc là, vous voyez que je change le frein de bouche. Donc frein de bouche, voilà, vous voyez, c'est un silencieux, tout ça. Optique, donc on peut changer le viseur. Alors, ce qui m'a d'ailleurs étonné, hein, dès le départ, c'est que dès qu'on arrive dans le jeu, il nous demande de choisir une des équipes. Alors, toutes les équipes, les unités spéciales. D'ailleurs, là, je remets un camouflage plus joli. Bref, petite parenthèse. En fait, quand on le sait pas, c'est un peu, on choisit un petit peu avec les caractéristiques, on sait ce que j'ai fait, ou avec le pays qu'on préfère le mieux. En fait, il faut regarder en fonction des armes. Chaque pays a ses armes différentes, avec ses accessoires différents, dès le départ du jeu, en fait. Et il faut vraiment, je pense, faire un choix judicieux, et non pas faire moi quand j'ai pris la deuxième classe des Américains, et franchement c'était pourri au niveau des armes, c'était pas terrible du tout, enfin l'arme que j'ai eu au moins, et bon après j'ai réussi à avoir d'autres armes, là je sais pas pourquoi dans cette partie j'ai joué avec cette arme, l'arme du début que vous avez vu, c'est mon arme préférée à ce moment là,
Celle-là est un petit peu pas assez puissante. J'ai testé la MP7 dans la dernière de mes parties. Franchement, c'était vraiment pas une réussite. Alors, avec un silence, certes, mais je l'ai quand même testé. Alors là, j'ai pas vu le mec à gauche, hein. Vous allez voir, je vais me faire tuer comme une merde. Mais bon, voilà, la MP7, important. Pourtant, moi, je l'ai trouvé complètement bidon, mais bon. C'est comme ça. Vous le remarquerez aussi, enfin, quand vous jouerez, si vous avez la chance de pouvoir y jouer, bah, vraiment, je vous conseille de l'acheter. C'est vrai, 70 €, ça fait cher. Je le conçois très bien. Ça fait très cher, mais franchement, je pense qu'il en vaut le coup. Moi, ce que j'aime bien, voilà, c'est les squads à deux, les points qu'on fait, qu'on engendre quand on joue tous les deux. Alors, excusez-moi pour le petit moment où je ne bouge pas. On peut faire de très bonnes tactiques, je pense. On en a fait de très bonnes avec Joker dans d'autres maps, avec d'autres modes de jeu. On a essayé de se couvrir l'un l'autre en marchant l'un derrière l'autre, mais d'une distance assez un petit peu éloignée. Et franchement, il y a des techniques qui marchent, mais alors du feu de Dieu, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Mais il faut vraiment être organisé, donc il faut parler sur Skype ou directement sur le jeu. Mais il y a quelques petites choses à faire assez intéressantes. Alors, par contre, ce qui me dérange un petit peu au niveau de la réapparition, c'est que nous, on peut pas réapparaître sur son coéquipier dès qu'il se fait tirer dessus, ou alors vous avez vu qu'on a vrai 4 secondes de réapparition. À chaque fois qu'il se fait tirer à côté, et bien ça rajoute 2 secondes. Je viens de lui tirer dessus parce que le tir a mis dans ce mode de jeu est activé. C'est un peu nul, je trouve, parce que par exemple, bon, c'est vrai que c'est pourquoi non plus que sur le mec qui est en train de se faire tirer dessus, il y en a un deuxième qui arrive et qui prenne le dessus, c'est vrai que bon voilà, mais c'est peut-être pas un truc que j'aurais fait. Voilà, vous voyez, voilà, dès que j'ai été repéré, voilà, plus de vie, tout ça. Voilà, bon, enfin bon, la partie est terminée, on a fini première escouade. Donc là, quand il y a l'escouade qui apparaît comme ça, c'est la meilleure escouade de toute la partie. Donc là, vous allez le voir, on a été les meilleurs. 5000 points, ils ont tous à 3 en dessous de 4000 points, donc on a été bon. On a fait une partie sympa, donc j'ai fait 14-8 et pas non plus, parce que j'avais dit tout à l'heure 18-14, je sais plus ce que je vous avais dit. Voilà, donc là je suis niveau à peu près, je sais pas, je crois que c'est niveau 7 là, je suis niveau 10 à peu près. Alors là vous remarquerez, vous le remarquerez pas là maintenant, mais vous pourrez remarquer plus tard que les niveaux montent à une vitesse ouf, ça va trop super vite, franchement ça va être super vite. Même moi j'ai été étonné, 10 niveaux en une heure de jeu, franchement c'était franchement bien. Bon, j'espère que cette petite vidéo quand même vous aura plu, petite vidéo découverte. Ne vous inquiétez pas, je vous prévois un gros projet. Alors ça sera sur le solo de Medal of Honor, mais je vais essayer de vous prévoir un gros 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 projet que je parlerai dans une autre vidéo sur ce Medal of Honor, sur le let's play complet, mais je vous en dirai un peu plus dans la vidéo prochaine. Enfin, je vous laisserai un petit suspense quand même. En tout cas, les amis, pensez à mettre un petit j'aime, à faire tourner cette vidéo, à vous abonner si ça vous a plu, et puis voilà. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.